Bonjour et bienvenue pour une petite revue. Aujourd'hui, je vais vous parler du guide ultime Harry Potter de plein de monde. je ne vais pas vous citer tous les noms, je pense que je les mettrai dans la description parce qu'il y a, je crois, sept illustrateurs et illustratrices qui ont fait ce livre. C'est un guide sur tout plein de points de détails dans Harry Potter, sur l'histoire d'Harry Potter, sur Poudlard, sur le chemin de traverse, sur les potions, sur les animaux fantastiques, sur les professeurs, sur les forces du mal, sur les farces et attrapes, sur plein de choses, sur la carte du maraudeur, sur énormément de choses. Les dessins sont vraiment sympas. Il y en a qu'on doit lire dans un sens, il y en a qu'on doit lire dans l'autre. C'était très instructif parce que moi, en fait, je n'ai pas lu, j'ai vu les films. J'ai dû m'endormir devant quelques-uns. J'ai pas encore lu les romans, mais ça m'a envie de donner lire les romans parce que les films, je pense qu'ils sont assez synthétiques. Et là, on voit qu'il y a plein de petites choses qui se passent, plein de petits détails en fait dans les histoires. Et c'était sympa de me plonger comme ça dans l'histoire d'Harry Potter. Je pense pas que ce soit spoiler. De toute façon, j'ai vu les films, donc voilà. Mais oui, c'était j'ai beaucoup apprécié, même pour moi qui ne suis pas une grande fan d'Harry Potter. J'ai trouvé ça, ah c'est superbe, regardez ça, c'est vraiment beau. Voilà, il y a la même page de l'autre côté, c'est un très très beau livre. Voilà, il y avait j'ai repéré deux petites erreurs, ce qui sont dommages parce que c'est quand même un livre à 35 euros. Vous me direz, vous, si vous les avez repérées aussi. Et voilà.